on trouve ici le problème soulevé plus haut, qui est celui de la typique de la faculté de juger pratique, solenne, qui est possible par la liberté, doit se réaliser dans la nature, qui est incompatible avec cette liberté, puisque la nature est définie par le déterminisme. Au départ, l'opposition et la nécessité de l'union sont clairement énoncées par Kant lui-même. La législation de la raison humaine, la philosophie, a deux objets, la nature et la liberté, et par conséquent, elle comprend la loi de la nature aussi bien que la loi des mœurs, d'abord en deux systèmes particuliers, et puis enfin en un système philosophique unique. La philosophie de la nature porte sur tout ce qui est, celle des mœurs seulement sur ce qui doit être. Mais dans cette même mesure, être et devoir être paraissent inconciliables, et Schleiermacher semble habilité à écrire « La formule du devoir-être est absolument inadmissible. Pourquoi ? La question nous est familière en sa version hegelienne. Le devoir-être nous dit précisément quelque chose qui n'est pas, mais qui appelle l'être. Le devoir-être est donc une représentation coupée de l'être. La scission qui engendre cette tendance, qui est le mouvement moral fini, ou le mauvais infini, comme dépassement toujours recommencé des bornes. La morale, alors, jamais ne serait accomplie, entendons réalisée et par suite effective, et en guise de morale, nous assisterions à un bavardage sur la morale. La volonté particulière doit être conforme à la volonté universelle. Cette unité est postulée. L'homme doit être moral. On s'en tient à ce devoir-être. Il en résulte que ce but ne peut être atteint que dans le progrès infini. Il en reste par conséquent à ce bavardage sur la moralité. Mais on ne pense pas ce qui est moral ou à un système de l'esprit se réalisant. La critique de Schleiermacher n'est pas entièrement étrangère aux arguments de Hegel, bien que n'en étant nullement issue, et visera précisément à penser l'éthique comme un système de l'esprit se réalisant. La critique elle-même sera reprise, parfois avec plus de clarté et de détermination, dans les versions ultérieures de l'éthique, notamment en 1812. C'est d'abord la formule du Solen qui est à critiquer, car elle présente l'éthique précisément comme quelque chose qui n'est pas. En cela, elle se réduit précisément à une formule, c'est-à-dire à une expression sans contenu. On pourrait donc dire, en reprenant Hegel, que dans une telle formule, la réalité morale, le vas, n'est pas réfléchie. Dans toutes les formes, elle pose le devoir être sans se préoccuper de l'être. La finalité même de l'éthique, le bien et le bonheur, n'est pas garantie. En effet, le Solen introduit un Zweispalt, une coupure, une scission est posée dans le devoir-être. Et la béatitude n'est pas dans la scission, pas même en présence de la plus haute moralité catégorique. C'est pourquoi il faut montrer l'unité entre ce qui est et ce qui doit être, ou comment ce qui doit être progressivement se réalise au cœur même de la nature. C'est donc le dualisme, ou le prétendu dualisme, qui est d'abord réfuté dans l'éthique, laquelle présuppose une unité effective entre ce qui est et ce qui doit être. Ce qui est objet véritable pour l'éthique, à savoir la force d'où proviennent les actions singulières, doit dans l'éthique être présupposé comme étant et comme identique à son devoir être. La reprise de la philosophie à partir de ce que Schleiermacher juge être l'insuffisance du kantisme ne peut pas pouvoir concilier nature et raison, et déterminante. Il faut trouver un passage, ce terme se trouve explicitement dans la dialectique, qui parle d'un Übergang ou d'un Brücke qu'elle aura pour prétendre d'établir, pour prétention d'établir, entre la nature et la liberté. Le problème de la typique et de la faculté de juger pratique se trouve ainsi reformulé par Schleiermacher. La philosophie théorique présente le développement de la production soumise aux lois naturelles de la Terre, de même que la philosophie pratique ne peut poser l'homme sans liberté, de même elle ne saurait le poser entièrement comme liberté, et dans la mesure où il ne l'est pas, cette soumission reste malgré tout pénétrée de liberté. C'est là un redoutable problème. Comment concilier le déterminisme naturel, objet de la philosophie théorique, entendant la physique, et la liberté, qui est l'objet de la philosophie pratique, c'est-à-dire l'éthique. Que la science de la nature dégage les lois de cette nature, cela est généralement reçu, mais que peut signifier en éthique un mélange au déterminisme naturel qui reste pénétré de liberté.
que devient une liberté si elle est soumission? Ne tombe-t-on pas dans ce que Filonenko nomme terrifiant, qui vous condamne à une existence affreuse, savoir la garantie d'une liberté simplement transcendantale, qui nous est inaccessible, puisque nous ne disposons d'aucune intuition intellectuelle, bien qu'elle s'harmonise, certes, avec les lois de la nature? La morale n'exige-t-elle pas tout au contraire la facticité de la liberté? À ces questions, Schleiermacher n'apporte pas de réponse. Il avance bien une solution, mais elle demeure obscure, comme l'est parfois la philosophie de l'identité à laquelle elle semble être empruntée. De même que dans la considération de la nature, tout est un et harmonieux. De même, nous sautons par-dessus la scission dans la considération éthique. Le Zweispalt, la scission est double. D'une part, entre ce qui est et ce qui doit être. D'autre part, entre nature et liberté, notamment en l'homme. Or, il y a, l'âme le montre, de la liberté dans la nature. Aussi, tout se présente-t-il dans la scission. Mais sur la légitimité de ce saut, rien n'est dit. Il repose simplement sur les présupposés de la philosophie de l'identité, c'est-à-dire sur l'harmonie dont il a été question plus haut, dans le postulat d'une initiale unité de la nature et de la raison. Ce présupposé absolument indispensable est encore énoncé en 1816-17. Il existe donc une unité de la raison et de la nature qui n'est exprimée nulle part dans l'éthique, mais qui est toujours présupposée. Il n'y a donc aucune scission, ou plutôt, elle n'est que pour nous, alors qu'en vérité, tout est un. Il n'y a jamais que dominance, prédominance ou effacement de l'un des pôles que sont la raison et la nature. La légitimité du saut ne pose donc apparemment pas problème, parce qu'il n'existe que par-delà le passé, comme ayant toujours déjà été. Toute nature est de toute éternité habitée par la raison, et vice-versa. Tout savoir éthique est donc l'expression du devenir nature de la raison, toujours déjà commencé mais jamais achevé. Cette unité de la raison et de la nature est fondatrice du style historique, qui est la narration d'un simple développement. Si tout est un, il suffit de percevoir son évolution. L'unité de la raison et de la nature directe, donc, une méthode qui ne procède pas par déduction, à partir d'un principe suprême, où terminus aquo et terminus ad quem sont distingués. Il est donc temps encore pour élaborer une dialectique comme science de la science qui s'intéressera à l'intelligence de cette unité originelle. Pour cela, il conviendra de changer de perspective. Dans l'éthique, il faut en rester à l'intuition, qui est descriptive, la description étant le style historique. On doit donc immédiatement s'en tenir à l'intuition. Cette intuition étant celle d'une réalité, elle est toujours celle de l'universel qui se présente dans un singulier, synthèse constitutive de ce que Schleiermacher appelle l'individuel. Il n'y a pas par conséquent de savoir absolu en éthique. Le singulier dans lequel se présente l'absolu le marque indéfectiblement de son sceau. L'absolu n'est envisageable qu'à travers la réflexion dialectique et n'est donné que dans le sentiment. Cette critique de la morale est certes à l'époque un lieu commun fondé sur la nostalgie de l'absolu. Hegel en est un célèbre porte-parole, lui qui écrivait en 1800 « La division en deux est la source du besoin de la philosophie ». La tendance à former un tout plonge ses racines dans cette scission, la visée de la philosophie étant de révéler ou de restaurer l'union, à commencer par en établir la simple possibilité. Elle ne peut que critiquer une philosophie qui ne va pas au terme de l'affectuation. Schleiermacher énonce clairement que le savoir doit être effectif et que cette effectivité lui est offerte par l'éthique. Les deux pôles ainsi critiqués pour leur unilatéralité sont une morale qui se conformerait soit à la simple nature, le démonisme, notamment à la nature individuelle, soit à la raison, dans des formules abstraites, Kant. Ce qui doit être, dit Schleiermacher, est aussi ce qui est. La raison est dans la nature et l'éthique est simplement la science qui commente son œuvre immanente. Bien que ce commentaire soit action, en décrivant le processus du devenir de la raison, l'éthique le favorise et elle devient ainsi à elle-même une partie de son propre objet. Ce qui peut également se dire à partir de l'opposition entre le réel et l'idéal. Opposition qui, pour être surmontée, doit trouver une façon d'inscrire l'un dans l'autre. Cette opposition n'est donc pas extériorité réciproque des termes en rapport, mais présuppose au contraire
une imbrication minimale. Jamais nous ne rencontrons le savoir pur ou la simple nature, mais toujours un mixte des deux. Le recours fréquent à la notion de polarité l'illustre, car qui dit polarité dit au moins l'existence de deux points qui diffèrent effectivement au sein d'un seul système. C'est ainsi que le réel est un, même s'il connaît des orientations distinctes et qu'il peut être appréhendé selon des perspectives différentes. L'idée de polarité présente en outre l'avantage d'exclure un dualisme au sens étroit du terme. Les deux pôles étant opposés sont en relation l'un avec l'autre. C'est pourquoi il y a toujours, selon Schleiermacher, une fusion de raison et de nature. L'éthique est l'une de ces façons d'aboutir à l'union manifeste, indispensable à l'homme, et plus précisément celle qui part du pôle constitué par la raison et qui se fonde sur sa prédominance. Au départ de l'éthique, la volonté se présente comme action, mélange d'esprit et de nature, où la raison s'inscrit dans la nature. L'autre perspective d'accomplissement de l'union effective de la nature et de l'esprit, à savoir celle qui s'appuie sur la nature pour forger un organe de l'esprit, est tout aussi légitime. C'est ainsi, par exemple, que Schleiermacher rappelle que si la raison produit la forme ou la figure dans la nature en revanche produit la conscience dont on a tout autant besoin. L'état encore fort imparfait de la science de la nature, dont nous ne savons quasiment rien en dehors de sa nécessité, est cependant souvent déploré par Schleiermacher qui, pour cette raison, s'attache plus volontiers à la perspective éthique. À propos de la détermination de la raison par l'organisation ou la nature, il écrit « c'est là » très difficile car jusqu'à aujourd'hui, si peu a encore été dit de manière scientifique sur la base physique. Pas davantage que Fichte. Schleiermacher n'a développé de physique. On sait en revanche toute son amitié avec Heinrich Steffens, le naturaliste, pendant la période de Halley. C'est à ses Grundzüge der philosophischen Naturwissenschaft, principe de la science philosophique de la nature, paru en 1806, qu'il avait coutume de renvoyer ses étudiants, selon le témoignage de son élève d'alors, Auguste Twesten, pour illustrer le pendant de son éthique. En 1806, l'éthique est une exigence de la raison pratique. Nous avons rappelé qu'elle découle de la critique des éthiques existantes et postule l'union de l'être et du devoir-être. À partir de 1812, c'est-à-dire un an après les premiers cours sur la dialectique, l'éthique sera tout autrement introduite. Elle procédera par déduction à partir d'une science première. Cette science suprême, la philosophie pure ou la dialectique, aura dans sa partie transcendantale pour tâche de fonder la possibilité même de l'union de l'esprit et de la nature, du réel et de l'idéal, et dans sa partie formelle ou technique, celle de contribuer à l'effectivité de cette union. C'est au nom de cette déduction que nous la présentons, après la dialectique et la logique venant ici rectifier la chronologie. La déduction de l'éthique à partir de la dialectique s'insère toujours dans l'argumentation de Schleiermacher, là où la raison doit rendre compte de la possibilité même de son action sur la nature. Mais le développement de la question transcendantale, relative aux conditions de possibilité de notre connaissance, n'est pas encore au centre des préoccupations en 1805. C'est là la raison pour laquelle l'éthique n'a pas alors d'assise parfaitement ferme dans l'architectonique. La perspective transcendantale qui confère la priorité systématique à la dialectique permet de mieux la situer en la subordonnant à des principes premiers. Que l'éthique soit fondée dans une science première qui lui est logiquement antérieure ou qu'elle s'élabore dans la confrontation avec les morales existantes, la philosophie doit déboucher sur elle. Cela tient à la condition même de l'homme. L'éthique rend compte du devenir de la raison dans la nature et même la dialectique, dont l'objet pourtant est la pensée pure, doit s'appuyer sur le savoir dans son devenir, c'est-à-dire dans sa finitude. Tout savoir humain est inachevé, certes, mais aussi toujours déjà commencé. Jamais nous ne rencontrons autre chose qu'un savoir pénétré d'être, et vice-versa. Ce qui précède permet de comprendre que Schleiermacher pose l'éthique comme étant le savoir sous la forme de l'action. L'éthique est une philosophie pratique, elle a pour objet l'action de la raison sur la nature. L'éthique qui part de l'un des pôles de l'union entre nature et raison est en cela une perspective sur le tout. Elle se distingue de l'autre versant, à savoir de la philosophie de la nature qui en dégage les lois en vue de comprendre comment elle forme la raison.
l'éthique est donc un versant entier de la philosophie. Tout en elle apparaît comme science de la nature. Tout apparaît en elle comme produire, de même que tout apparaît comme produit dans la science de la nature. La philosophie n'a que deux versants, l'éthique et la philosophie de la nature. Les conséquences systématiques en sont capitales. En effet, cela signifie que la dialectique, qui pourtant est science des fondements, semble finalement leur être subordonnée. Les deux aspects de la philosophie sont complémentaires, ils se développent simultanément et s'appellent réciproquement dans une circularité qui est chez Schleiermacher, comme chez les anciens, un signe de scientificité, de perfection. Il reste en cela comme souvent platonicien. Seul le cercle est absolu et tout ce qui est absolu est achevé, n'existe que sous forme de cercle. Tout organisme et l'univers entier est un cercle. Il doit donc en être de même pour toute exposition de ce dernier. Les leçons sur l'éthique de 1805-1806 apportent des précisions sur le rapport circulaire entre l'éthique et la science de la nature. Si nous partons de la science de la nature, sa dernière formation dans l'inconscient est la surface de la Terre, et dans le conscient est l'homme. Ici commence l'histoire, et l'homme qui forme la surface assure son devenir. Il organise la Terre, et même l'air en sonorité et en langage, et même l'atmosphère. Il organise l'animal, il érige un édifice de la science et de l'art, de l'État et de la famille, ce qui est toujours la nature parvenue à la conscience. En vérité, la philosophie de la nature part de la raison pour construire la nature, mais elle revient toujours à la raison dans l'éthique. La science est par suite comprise ici dans un cercle achevé. Il en va de même pour l'éthique. Celle-ci part de la nature, laisse l'homme apparaître et réaliser son œuvre éthique. Mais elle revient à la nature, d'où elle était partie, en laissant les productions éthiques se déposer comme nature et en reconduisant les totalités éthiques elles-mêmes vers la nature, la Terre. Ici aussi, les perspectives sont inverses. L'éthique pose le fait que la nature est un produit et cherche à rendre compte de la production, alors qu'au contraire, la science de la nature présuppose la production et cherche en revanche à déterminer le produit. L'attention portée par l'éthique au processus de production, au devenir de la raison dans la nature, la confirme comme science historique. L'éthique comme science de l'histoire. L'éthique est la science de l'histoire, c'est-à-dire de l'intelligence comme apparition. À une nuance près, la course d'Ars Telung de 1810 dit la même chose. L'éthique est la science des principes de l'histoire. La nuance qui différencie ces deux définitions permet de préciser le statut spéculatif de l'histoire dans l'éthique. L'éthique n'est pas histoire empirique, même si à l'idéal qui est son objet doit correspondre à un réel empirique. L'histoire spéculative suit la manifestation de l'idée, ce qui n'est pas toujours la réalité même. Conception générale qui pousse par exemple Schleiermacher à écrire dans le cadre restreint de l'histoire du christianisme, comme l'éthique en tant que science des principes de l'histoire ne peut exposer que de façon générale. Comment est né un ensemble historique ? De même, ce n'est que par la voie critique, en comparant les différences générales exposées dans l'éthique avec la réalité historique, que l'on peut découvrir ce qui, dans le christianisme, est l'expression pure de son idée et ce qui doit être considéré comme une déviation de celle-ci, c'est-à-dire un état pathologique. Cet écart rappellera la nécessité des disciplines critiques qui mesureront la distance entre l'idée, on pourrait presque parler d'idéatype, au sens weberien, et le réel. L'histoire est donc celle de l'apparition de l'esprit, l'éthique et la science historique qui en rend compte. Cette définition fonde la méthode de l'éthique, qui est aussi son genre, la narration. En effet, dans la mesure où l'éthique est la science du processus éthique, et le processus éthique le devenir de la raison dans la nature, la raison n'étant pas encore pleinement devenue, ne saurait commander. Elle n'est pas le processus éthique, mais le savoir qui est relatif. Elle doit donc se contenter de montrer comment l'esprit se manifeste, comment, comme Schleiermacher l'affirme devant l'Académie, l'esprit pensant se découvre peu à peu lui-même. L'éthique se contente de relever ce qui est, de raconter comment les manifestations de l'esprit se succèdent sans jamais prétendre dire comment cela doit être. Mais elle expose l'idéal auquel un réel correspond, sans quoi il n'y aurait pas de savoir ni de science. Son style historique et phénoménologique
La forme authentique de l'éthique est donc la simple narration. Les objets de cette description sont les lois de l'action humaine, ou celles de l'esprit qui la dirige. Le style de l'éthique est historique, car il n'y a d'intuition scientifique que là où manifestations et lois sont données comme identiques. Nous avons cependant déjà noté ce que Schleiermacher ne fait pas explicitement, que si l'éthique est un savoir portant sur le développement de l'esprit, elle développe le réel en développant l'idéal. Toute science et l'éthique au même titre qu'une autre développe l'esprit. La science éthique, s'appliquant à elle-même, gagne ainsi une dignité particulière. C'est en tant que science que le parallélisme méthodologique avec la physique spéculative ou science spéculative de la nature est fondé. Les sciences dégagent les lois d'une réalité. La définition de l'éthique dans la Globenslehre de 1822 précise bien ce parallèle. Nous entendons ici par éthique l'exposition spéculative de la raison dans son effectivité totale, parallèle à celle de la science de la nature. Comme dans la science spéculative de la nature, ce sont les lois qui importent, les lois décrivant le réel, étant universelles. L'éthique est générale, d'autant plus qu'elle est le champ même du déploiement de la raison, dans la mesure où le devenir de l'esprit est en jeu. L'éthique est bien plus, ou bien autre chose qu'une simple science de la morale. Elle est une science morale dans l'ancien sens du terme, en son sens académique, qui signifie intellectuel, spirituel. L'éthique s'intéresse aux lois même du devenir de l'esprit. Elle est science de l'esprit, ou plus précisément science de la culture. Puisque la culture est toujours une forme d'action de la raison dans la nature, l'action de la raison sur la nature et sur elle-même, c'est en ce sens qu'elle est science de l'histoire.